Mais ma mère Coute, qu'est-ce que tu fais là? Mais c'est ma résidence secondaire. Toi, qu'est-ce que tu fais là? Ben moi, je vais faire le mirepatier des professionnels. Il y a même pas de tente. Cette année, sous une majestueuse nouvelle tente, le château du meilleur pâtissier accueille pour la première fois 7 binômes de pâtissiers professionnels. Ils arrivent de toute la France et qu'ils soient frères, amis... Ah, je chante, là. Père et fils... Papa, vas-y, active-toi, hein, là, active-toi aujourd'hui, active-toi. Il va me faire courir, le gamin. Ou en couple... Non. C'est le moment où il faut vous faire un bisou. Hein. Ils sont tous des références dans leur ville ou leur région et ont des projets plein la tête. Notre rêve serait de développer notre concept aux États-Unis parce qu'on veut conquérir le monde. Moi, je m'occupe près de l'école. Et moi, je m'occupe près de la boutique. C'est malin. C'est malin. Chaque semaine, ils s'affronteront lors de deux redoutables épreuves. L'épreuve de la vitrine ou comment réinventer les plus grands classiques de la pâtisserie. La forêt noire, ça vous parle, les gars? Ouais. On n'a pas la commande. Dans un magasin, t'as pas la commande, tu t'y retournes pas. Et le défi des chefs, un thème imposé avec pour seule arme leur technique et leur créativité. Chef, on n'a pas le temps là, Pour les départager, Cyril Lignac, le chef préféré des Français, Pierre Hermé, élu meilleur pâtissier du monde, et un tout nouveau juré, une star de la cuisine, un juge intransigeant, un palais implacable, Jean-François Piège. Pâtissier de formation, considéré comme l'un des meilleurs cuisiniers du monde, il met aussi sa recherche du goût juste au service de la pâtisserie. Quand on est cuisinier, pâtissier et restaurateur comme moi, l'important, c'est que tout soit à l'unisson. La pâtisserie et la cuisine ne font qu'un. Ça, c'est un confit d'ananas? Ouais. Ouah. Ça, c'est bam! Ça a pas de goût, c'est que du sucre. Elle est où l'acidité? Elle est où la légèreté dans le gâteau, là? Allez, réfléchissez, merde! C'est très beau, mais arrêtez de penser à la carrosserie, pensez au moteur. Oh putain! Et pour convaincre ces légendes de la gastronomie, il faut maîtriser ses fondamentaux. Gourmandise et plaisir. Faites-moi un putain de câlin, quoi. Là, on est au top, là. Putain, s'ils aiment pas ça, je m'en coupe une. Hein. Rigueur et précision. Voilà, c'est parfait, là. C'est des bijoux. Et dernier secret de la réussite. Si vous voulez vraiment vous qualifier, il faut être créatif. On est sur du risque. C'est super bon. J'ai déglingué. Une recette savoureuse mais périlleuse pour éviter l'élimination. C'est fin, ça casse. Ah putain! Allez, dépêchez-vous, il reste pas beaucoup de temps. Ah putain! Et décrocher le titre de meilleur pâtissier professionnel.